Et oui, bonjour à tous, c'est The Ben Big. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On est sur notre serveur Ark Eternal Forward Prometheus full modé. Et aujourd'hui, les amis, je suis tout seul. Bon, on va faire un petit débrief concernant la dernière vidéo Eternal que je pense la plupart d'entre vous ont vu. La plupart ont compris le message, donc ça m'a fait vachement plaisir, ça m'a bien fait rigoler. Dans les commentaires, c'était extrêmement drôle, putain, c'était... Vous êtes des bons, certains, vous êtes des bons. Et spécial dédicace à Nyx qui a un très bon humour et GG à toi. Donc voilà, certains ont compris, d'autres n'ont pas compris parce que c'est ma vidéo qui a eu le plus de dislikes. Après j'ai compris, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. C'est parce que je vous ai mis une vidéo Eternal, parce que sachant que c'est la vidéo qui est le plus regardée sur ma chaîne, afin que le plus de monde ait accès au message que je voulais faire passer. Certains n'ont pas compris et ont mis des dislikes, mais c'est tout à fait normal. Et aussi, certains aussi étaient déçus de ne pas avoir l'épisode Eternal attendu, et c'est tout à fait compréhensible. Donc je ne vous en veux pas, je vous aime tous, vous êtes mes viewers, le cœur de mon âme, paix sur vous. Donc aujourd'hui les amis, une nouvelle vidéo Eternal et ça va être une vraie de vraie, comme vous avez l'habitude d'en voir, il n'y a pas de soucis les gars, on a eu des dollars verts, on est vieux, on n'a pas peur, on est parti. Et aujourd'hui les gars, il y a un beau programme de prévu, à savoir des nouveaux dinos de Forward. Et vous kiffez Forward, et c'est des bons dinos, des très bons dinos. Mais du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais aller m'écarter et les préparer. D'ailleurs je crois qu'il y en a un qui est craftable, on va aller vérifier ça de suite. On va aller voir notre petite cloche. Alors... petite cloche, c'est le A4 Spet. C'est ça, ok, je peux en faire. Non, on va faire plusieurs, c'est nice. Et je crois qu'il n'y a que lui qui est en nouveau. D'ailleurs, hier, je crois, quand j'ai tourné la vidéo, ou avant-hier, pardon, j'ai cru l'avoir vu. Donc, c'est bon, il est tout neuf. On va se faire plaisir, on va aller tester ça. Et il y aura aussi un nouveau boss qui a été fait, les gars. Et oui, un nouveau boss. Mais j'ai pas encore le code, faut que j'aille le récupérer, j'ai oublié de le prendre. Alors, il est là, l'A4, hop, très bien. Du coup on est préparé, on a tout sur nous, on va sûrement mourir, on va enlever la canne à pêche parce que les tutos pêche c'est terminé guys. C'est vrai que je me suis fait défoncer la dernière fois, j'ai plein de trucs achetés. Voilà. Il y a l'épée qui est partie mais c'est pas grave. Regardez, celle-là est très jolie aussi. Hop, on va aller faire un petit tour de... un petit tour de grappin pour s'éloigner de la base. Et hop. Wouh. Ah, ok. Peut-être était un peu violent, ok c'est bon. J'ai eu un léger freeze, bon c'est pas grave. Donc en gros les gars aussi, j'ai mené mon enquête par rapport aux démonétisations YouTube, aux petits dollars jaunes, comment ça se passe. Et j'ai regardé également la vidéo de Superflame qui est très très intéressante, qui est sur ce sujet là. Parce que lui qui fait des imitations, des doublages, ce genre de choses, d'ailleurs qui a un putain de talent, gros big up à lui. Il a subi ça également, le dollar jaune, c'est inexpliqué, c'est illogique, c'est de la merde. Et j'espère que YouTube va changer ça. Et du coup les gars, on va se préparer pour faire spawn. On fait une mini ellipse. On se dit à de suite, je chope le code, ne bougez pas, c'est parti. Ok les gars, c'est bon, j'ai le code, je suis prêt. On va aller... oh merde, oula. Non c'est bon mais j'ai les chaussures de toute façon. Enfin je crois, je vais... ouais c'est bon, j'ai les chaussures. On peut résister aux dégâts. On va faire spawn le boss par ici. Hop, ok ça fait toujours le même bug que d'habitude évidemment. Alors, on reprend le code, hop, voilà. Très bien. On va le faire spawn level 100. Parce qu'on connaît pas les capacités du bestiau. J'espère qu'il va pas me buter quand il va spawn. Super, super, je suis bugué. S'il m'attaque, c'est la mort. Il y a une petite musique. Waouh. J'ai pas les mots. La musique est méga stylée. SVP, pas de droit d'auteur. Waouh. Waouh. Il est méga badass. Je mange avec la musique, vous me permettez. Wow. Wow. Amazing guys. It's a huge circle. I never see that in my life. Oh my god. Guys. Oh guys. Putain. C'est énorme. Ils ont une petite musique épique. Elle est cool. On va la baisser quand même. Ah c'est vrai qu'on peut pas. Ok, on va checker sa vie. Alors il est en dessous, waouh, il y a de la vie. Tiens, on s'éloigne, est-ce que la musique s'enlève? Salut frère. Nice, ok, super. Ok, on sait à quoi s'attendre. On a un bestiau plutôt de taille conséquente qui est positionné sur la montagne ascendant nord. On va se préparer de manière, je pense, assez solide. On va prendre un gros dinosaure.
Un gros dinosaure, lequel on va prendre? Alors, lequel on prend? Je prends pas les griffons, ça je vous le dis direct. Oh bon. Qu'est-ce qu'on va prendre? Toi là-bas. Toi tu brilles rouge, j'aime bien. Ah c'est vrai que j'ai pas de torse. Ça marche pas. Dragon Sparrow. Level 986. Allez, on va aller tester ça. On va aller câliner ce sarco. Ok, t'es plutôt pressé. Ah oui, c'est très drôle ça. Ah, c'est bien. Bonjour. Alors, que va-t-il se passer? Je vais tester quelque chose. Come on, bro. Oh! J'ai fait un bond en arrière. J'ai reculé d'un mètre avec ma chaise. J'ai lâché le clavier. Oh man. Oh le bruit. Bon les gars, on va pas devoir rigoler avec ce boss. Parce que là, là c'est de la pointure je crois. Je crois que le mec nous a pondu une pointure. Manticore Empereur a les full bugs. Manticore White c'est mort. Manticore Empereur c'est quoi tes stats? C'est de te faire éclater. Mais c'est pas grave. Tu vas venir quand même. Ouais non t'es bugué, tu saoules. Tu m'énerves. C'est mort. Ah, c'était pas le bon. Voilà. Toi. C'est quoi tes stats? Je te prends. Je te prends direct. Par contre, ta vitesse, Ro, c'est pas... Voilà. Toi. Quelles sont tes stats? Je te prends. Non, par contre, c'est chiant. Non, bon, c'est pas grave. Faut que je baisse les FX, je crois, parce que ça me casse les oreilles parfois. Voilà. Et aussi pour éviter de me faire éclater par le sarco. Ok, frère, amuse-toi. Hop. Toi. C'est quoi tes stats? Ah, c'est un prom. Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, c'est pas ton niveau, frère. Faut pas que tu viennes. Toi. What's the stat? Ah bon. 30 000 PV. Ah ouais, il est bien. What the fuck. Toi, Blade. Quoi tes stats? T'en auras besoin. On va l'amener avec son pote. Lâche mon pote toi. Ah oh, il tape du 2 milliards. Non mais c'est sérieux. Bon il y aura peut-être pas besoin de tout le monde mais... En vrai s'il m'éclate tous mes dinos je vais être un peu choqué. Je vais devoir sortir le titano bleu. Là c'est une autre histoire par contre. S'il me bute le titano bleu, coche pas que je vais transpirer. Bah mute. Tu viens. Je vais même aller te garer là-bas quoi. Alors, il reste quoi? Waouh, j'ai cru qu'il était parti l'attaquer. J'étais là. Toi t'as pas peur hein. Allez, grappin. J'ai des arbres dans la gueule. Ok, 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 ça se passe, ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très beau même. Super. Ok, on est rentré à la base. On va aller choper les derniers et on va go. Alors, je vais prendre toi pour me déplacer. Parce que là, les gars, ce boss là. Waouh, genre j'ai pas les mots. Si on tombe, je le fais respawn et je le force time. Et on le testera. C'est énorme ce qui va se passer. Les gars, on utilise quand même des forces assez colossales. Hein, là, je vous cache pas. Là, il y a du milliard de dégâts, il y a du milliard de PV, il y a du milliard. Hein, là, les gars, là, il y a du. Là... Hey, vous aimez les dégâts et les gros booms? Là, vous allez être servis, les copains. Bon, par contre, je vais m'écarter. Genre vraiment. Parce que j'ai l'impression que le truc. Je sais pas ce qu'il envoie, mais c'est assez large. C'est à moi, ça? Non, c'est. Non.
Oh non, il va m'emmerder. Non? Il m'emmerde pas. Par contre, toi, quoi. Super, ok, il y en a un autre en bas, on fera gaffe. On va aller poser ça. Voilà. Bon, ben les gars. Je vais vous démerder comme vous. Ce bordel. Non, par contre. Voilà, on va voir comment ça se passe. Bon, allez, go. Je m'approche ou quoi? Ah ouais, genre là. Oh putain. Non mais putain. Je peux pas voir. Mais en plus j'ai dû dire putain fort. C'est pas friendly. J'ai pas pu voir le combat. Je sais pas ce qui s'est passé. Les logs. Meet Bahamut, meet Blade, Ben B, meet Dragon Sparrow. Il en reste un, non? On va aller vérifier, guys. Par contre, j'aimerais bien au moins mes chaussures. Pas me faire éclater, quoi. Voilà, on répare juste les chaussures et on est go. Ça prend 2 secondes. Restez calme. Hop. Voilà. Les chaussures sont où? Là. C'est juste pour les dégâts. Je vais aller voir ce qui s'est passé. Parce que du coup, on n'a pas vu. J'ai pas eu le temps de m'écarter, j'aurais peut-être dû faire un peu mieux. Coucou les palmiers. Je suis un peu déboussolé, hein. Je dirais même désappointé par ce qui vient de se passer. J'ai eu l'impression qu'il les a clatés. Qu'est-ce qui reste? Je vais mettre en god. Comme ça je vais survivre. Si jamais il se passe un truc. Il reste des trucs en vie? Vraiment? Il reste 2 trucs. J'ai perdu de la vie. Je vois pas ta vie. C'est chiant. Ah, c'est bugué. Voilà. Ah, il a... Ok. N'ayez pas peur. Ah, il tape, hein. Oh, il tape, hein. Oh, il lui met des milliards de PV. Oh, il y a du combat, les gars. Il y a du combat. Waouh. Waouh. J'ai jamais vu des gros chiffres comme ça. Qui durent, en fait. Waouh. Il est intombable. Il est intombable. Il est intombable. Je sais pas comment on peut tomber ça. Il a pas perdu de PV en fait. Wow, guys. Non. Mais gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que... Attendez. Je vais regarder s'il y a un truc qui est écrit dessus. Super boss. Non. Ajustement de boss, non. Allez, bon, les gars, on va tester un autre truc. Je crois que personne n'est prêt pour ça, même pas moi. Là, il va loin le grappin. Ah. Ça, c'est chiant par contre. Là, j'ai plus de grappin. Bon, du coup, les gars, on va faire une petite ellipse. Je vais me refoutre des habits. C'est de me barrer d'ici. Oh ouais, c'est eux qui font du bruit là. On fait une mini ellipse, les gars. Et on va préparer le plan B. A de suite. Et à tous, on se retrouve donc. On est sur la plage. Et avant d'utiliser le plan B, le plan final, on va tester la Cats qui est ici. Le Devil Pet. Parce que peut-être qu'il a été créé pour justement ce boss là. Donc on va voir ça. Waouh. Waouh. Level 5. Waouh. Waouh. Mon dieu, qu'il est magnifique. Il est monstrueusement beau. C'est un Tilacoléo. Il est méga stylé. C'est quoi ses stats? Ah ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça. Mais en tout cas, ça... Oh, il est incroyable. Oh, il est génial. Eh bien, évidemment. Hein. Non, tu restes.
un peu le bordel, j'ai l'impression. Je vois plus rien, donc je vais descendre un peu. Ah bah voilà. Ok, c'est un peu le bordel de grimper sur les arbres. Est-ce qu'il a un... D'accord, très bien. C'est des missiles, on dirait. Ouais, c'est ça. Ou des épées. Non, c'est des épées. Un petit clic droit? Non. Oh, il a pas de clic droit. Ça, c'est très grave. En tout cas, il est méga stylé. Mais il sera pas utile, je pense, pour ce qu'on veut faire. Il sera pas utile pour ce qu'on veut faire, malheureusement. On va augmenter un peu ses stats. Oui, on sait que t'es content. Oui, vas-y, tape-moi. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Alors. Dodo. Voilà, c'est bien. Là, il court. Hein. Ah, il casse tout en plus. Oh putain, il est génial, les gars. Oh, mais ça, c'est utile à coller. Oh, il est incroyable. Oh, j'adore ce dino. Il tape du 1 milliard. Milliard. Il tape du 1 milliard. C'est énorme. Wow, guys. That tilacol is amazing. Hop. Tranquillou. Et écoutez, on va aller vers le plan B. Et on va aller tester le plan B. Coucou le plan B. Comment tu vas, mon copain? Oh, on va aller buter du Tyrannus d'abord. C'est un prom. Il vaut rien. Et voilà. Et on repasse sur de la musique calme. Putain, le nombre de musiques qu'il y aurait eu dans cette vidéo à cause des dinos musicaux, on va dire. Allez, tu as une mission. Ah. Il a toujours pas de clic gauche? Non. Keblo. Guys. Ok. Ah voilà. Oh. Et il prend le saut. Le saut magistral. Il a combien lui? Ah lui il a pas de vie. Tu le tueras pas. Alors, on va faire un truc plus simple. Youh. Si t'as une attaque, c'est le moment. Ok. Ok. Ah. Ah, d'accord. Pas très compréhensible ce qui se passe. Il y a un combat d'animal, mais personne se tape. Je crois qu'il a même pas de dégâts en fait, il a pas d'attaque. Non, j'essaie tous les sorts. Ah bah le plan B a pas l'air de bien marcher quoi. Il faudrait que je le titille. Je sais. On va vérifier. Alors avec tout ça là, c'est pas facile hein, je suis pas un expert. Wandering, following, targeting. Ah merde, oh zut. Là, on va mettre neutral. Et le truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre une petite giflette là au sarco. Ah. Lui. Bon bah je l'ai tué avec un coup d'épée. En fait ça va, c'est pas dur hein. Je crois qu'il a attaqué, qu'il s'est fait renvoyer les dommages. Du coup il s'est fait one. Ok. Bon par contre, frérot, va là-bas. Voilà. Nice ça les gars. C'est... En fait c'est fast. Ouais, salut gros. Vive le god mode. Hop. C'est obligatoire là. Voilà, y'a plus de musique, on est tranquille. On va aller voir ce que ça donne. Y'a quoi dans toi? Waouh, il a de sacrés stats. Il est combien de zéros? Trois. J'arrive pas à compter. Trois. Trois. Ah ouais, ok. Il
Il avait 3 milliards ou un truc comme ça. Incompréhensible. Ah, mais t'étais en vie, toi? Ah non. Tu respires pourtant quand t'es mort. C'est bizarre. Le scorpion qui a mangé le big boss. Incroyable, guys. Bon, ben voilà. La technique, c'est qu'il fallait mettre le truc dessus et qu'il attaque, qu'il m'attaque et que, du coup, ça renvoie les dommages. C'est facile, hein. C'est facile. Non, mais oui, c'est facile. Salut. Hop là. Bon, du coup, on va le ranger, lui. Et ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va faire spawn ce boss une dernière fois. Et on va aller le tame. Ouais, voilà. Elle est cool cette musique. Tellement chill. De là-bas. Ah, il touche. Il est déjà dans l'eau. Ok. Et voilà. Maintenant, on a juste à descendre. Récupérer notre petit île à coller aux des familles. Il est là-bas. Oh, je l'ai raté. Oh, encore. Oh, bah là, c'est certain. Et voilà. On a récupéré le Tila Coléo, on a buté le boss. On est les champions. Hop, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écarter un petit peu parce que le boss il fait aussi de la musique. Voilà, c'est bien là. Oh. La première personne, c'est pas incroyable. Hein. Regardez ses pieds. Très bien. C'est quoi ce bruit? Wow, wow, wow. Il me fait peur lui. Voilà, dodo. Alors, deux petites secondes, les enfants, ne bougez pas. On va reprendre le petit code du boss. Voilà. Et on va le tester. On va faire spawn 350. On va faire un petit cheat d'un first team. On l'a eu. Est-ce qu'il despawn pas? Ok, donc c'est bien ce que je pensais. On peut pas l'avoir. Du coup, on pourra pas le tester. Tant pis. Bon ben les gars, on va rentrer à la braille. À la base bredouille. On n'aura pas le boss avec nous. Mais au moins on l'aura buté. Et ça c'est cool, guys. On est content. Bon ben les gars, je crois que l'épisode touche à sa fin. On aura vu un nouveau dino que je possède actuellement, qui est plutôt méga stylé. C'est... J'adore. J'adore le style. Les gars, continuez comme ça. Tila Coléo en... en tech avec une aura et des épées dessus. C'est... Non, continuez dans le délire. J'adore. Et du coup, les gars, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était ZebNB sur Forward. On était tout seul. C'est trop tôt pour Rasta. Vous le savez. À très vite. Bisous. Coupez.